Leefmilieu Brussel is dit jaar begonnen met een pilootproject om met een aantal horecazaken te gaan bekijken hoe dat zij hun organisch afval beter kunnen beheren. En dat beheer willen we doen op twee manieren. Enerzijds door het organisch afval te verminderen aan de bron. En anderzijds door het organisch afval dat er toch nog altijd is en dat onvermijdelijk is, te gaan sorteren en apart te laten ophalen. C'est vrai qu'avant, on était plus tenté à avoir des assiettes gargantuesques avec pas mal de pommes de terre, plus des grosses portions de viande. On s'est aperçu qu'en retour d'assiettes en plonge, on est pas mal de déchets. J'étais intéressé de participer au projet du tri sélectif pour deux raisons. La première, c'est pour avoir une vision globale de mon travail, depuis l'achat jusqu'à la cuisine. Et l'autre, c'est aussi un élément de gestion et la valorisation des déchets fait partie de cette gestion. En cuisine, c'est pas évident de changer les habitudes. Si c'est pas géré en amont au niveau de la construction de la carte, c'est infaisable en cuisine. On a valorisé les éplucheurs d'asperges, les vers d'oignons avec un bouillon. Et ça va être utilisé comme un potage, une crème, un bavarois. On a vraiment mis en cuisine deux choses en place. Des boîtes déchets organiques qui vont dans une poubelle organique et des boîtes récup VG qui servent à faire des stoums de légumes, qui servent à faire des jus, qui servent à faire d'autres préparations. Bonjour mesdames. Quand on dit pour la soupe qu'elle va être en partie composée d'épluchures de carottes, les clients n'ont pas encore goûté leur soupe et ils vont nous regarder d'un air « ah ah ». Et finalement, en le goûtant, ils nous regardent et nous disent « il y a vraiment des épluchures là-dedans ». Et donc voilà, le gain est double à la fois au niveau du goût et à la fois au niveau des déchets. Pour les mises en bouche, il est évident qu'on souhaite particulièrement baisser là le coût du produit. La raison économique peut être aussi une très très bonne raison pour accéder à la valorisation des déchets. Mieux valoriser son approvisionnement, c'est gagner de l'argent, ne pas en perdre en tout cas, et donc se donner les moyens d'aller vers des produits de plus grande qualité. Et découvrir de nouvelles textures, de nouveaux parfums, de nouvelles associations, c'est vraiment magique. Et en général, je vois qu'il se passe quelque chose et je sais que le chef va travailler le produit de façon différente après. Aujourd'hui, on a très très peu de déchets après service. C'est vraiment un résultat extraordinaire qui a été renforcé par la démarche de Bruxelles Environnement de nous faire prendre conscience de ça. De résultaten die worden verwacht is dat zij uiteindelijk minder organisch afval gaan hebben en dat zij ook besparingen uiteindelijk gaan hebben omdat ze het volledige product gaan gebruiken in hun horecazaak. Avoir des déchets organiques, les séparer, les gérer différemment des déchets tout venant, c'est une bonne chose. Mais pour moi, je voudrais que cette poubelle soit vide.